Bonjour, je m'appelle Vincent Dubreuil, je suis psychiatre à la clinique de la Maison Fleurie et du Parc Monceau. On a constaté depuis le début du confinement une diminution importante des consultations de psychiatrie, en partie liée aux décisions qui avaient été prises de différer les prises en charge non urgentes, mais on a aussi constaté une diminution des consultations qui nécessitaient des suivis rapprochés dans nos cabinets et à la clinique. Dans nos cabinets et à la clinique, nous prenons en charge en particulier les syndromes dépressifs et les troubles anxieux qui sont assez importants actuellement du fait du confinement. Et un certain nombre de symptômes doivent vous alerter, comme par exemple une irritabilité, une perte d'intérêt, une tristesse, une perte de la libido, des difficultés d'attention et de concentration et des troubles du sommeil. Si vous constatez ces symptômes qui perdurent plus de 72 heures ou qui sont intenses, il est important que vous alliez contacter ou consulter directement votre médecin traitant, mais si vous avez, et aussi si vous avez déjà un psychiatre, appelez votre psychiatre habituel pour que vous puissiez bénéficier d'une réévaluation du traitement. Cette réévaluation peut se faire au cabinet, soit en face à face, soit en téléconsultation, puisque tous les psychiatres du groupe sont équipés pour faire de la téléconsultation. Il est important que vous sachiez qu'on vous garantit toute sécurité pour votre prise en charge, puisque nous respectons bien sûr tous les gestes barrières, aussi bien dans nos cabinets que en hospitalisation. Nous avons gardé les services d'hospitalisation ouverts, aussi bien l'hospitalisation temps plein que l'hôpital de jour, et nous mettons en place un protocole qui permet de garantir une sécurité dans la prise en charge et un évitement de transmission du Covid-19. Surtout actuellement, si vous avez la moindre crainte, si vous vous sentez différent, si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes vraiment là pour ça. Nous pourrons faire une évaluation et mettre en place soit un suivi psychothérapeutique, soit des adaptations thérapeutiques pour vous aider à passer ce cap difficile du confinement.